Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis en train de partager mon direct. Vous pouvez faire également la même chose. J'ai un petit mot à adresser à mes camarades vidéomans, ceux qui font des vidéos qui sont axées sur la liberté de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général. Leur passer un message et passer un message au peuple de Côte d'Ivoire. C'est très important. Parce que quand nous avons un État comme la France, un président qui se prénomme Macron, qui soutient un président dictateur, M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il y a un problème quelque part. Donc veuillez partager, je vais partager aussi et nous reviendrons discuter de cela. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Veuillez partager le direct. C'est important de partager nos directs. C'est important. Donc, même si j'ai des amis, je dirais français, sur ma page Facebook, cela aussi vous concerne dans le futur. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à l'Afrique, et tout particulièrement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, aura forcément un impact sur les années à venir, sur la France, sur le peuple français. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter de se taire et de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que ce n'est pas votre problème, vous n'êtes pas impacté par ces situations qui arrivent en Afrique et en Côte d'Ivoire, vous ne vous sentez pas concerné par la chose. Bien au contraire. Donc, veuillez partager, s'il vous plaît. Je vais m'adresser, pourquoi pas, au peuple français, mais tout particulièrement à ces vidéomans, le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons un responsable politique, un État français, M. Macron, qui soutient un État dictatorial dont Alassane Dramane Ouattara est le chef. Nous avons Macron aujourd'hui qui soutient la candidature et l'élection présidentielle qui s'est passée, qui s'est déroulée le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, dont M. Ouattara n'avait pas à se représenter pour un troisième mandat. Et aujourd'hui, le président de la République française, M. Macron, soutient ce monsieur qui piétine la constitution ivoirienne, qui piétine le peuple de Côte d'Ivoire, qui tue le peuple de Côte d'Ivoire au travers de ces gens, ces malades qu'on paye pour aller tuer les Ivoiriens, qui emprisonne les opposants politiques, qui fait taire la population. Ce que j'aimerais dire à mes camarades qui font des vidéos, ce que j'aimerais vous dire et ce que j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, et bien sûr aux responsables politiques qui sont en Côte d'Ivoire, à ceux qui font partie du CNT en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous aimerions bien avoir des nouvelles de cette création de cette CNT. Nous aimerions bien avoir des nouvelles. Partagez, s'il vous plaît. C'est important ce que nous disons. Nous venons donner notre avis, faire comprendre à la population ivoirienne
que nous devrions fonctionner autrement. Et donc, nous avons des responsables politiques comme le président Macron aujourd'hui qui soutient cette forfaiture. Ce que nous demandons et ce que je, le message que je souhaite passer à mes camarades vidéomanes, c'est de passer le message au peuple de Côte d'Ivoire, à la diaspora, que nous devrions descendre dans les rues et faire comprendre à cette diplomatie française dont Macron est le responsable, le président de la République française, qu'ils doivent partir de la Côte d'Ivoire. Parce que quand nous avons un président qui soutient un dictateur, qui soutient un responsable politique qui ne veut pas partir après ses fonctions de président à la tête de la Côte d'Ivoire, qui piétine la Constitution, nous ne sommes pas d'accord. Donc cette France politique, ces responsables politiques qui soutiennent ce genre de choses ne doivent plus rester en Côte d'Ivoire. Donc peuple de Côte d'Ivoire, camarades de la diaspora, peuple ivoirien, peuple africain, c'est le moment de descendre dans les rues. C'est le moment de manifester dans la diaspora, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez dans toute la diaspora, c'est de descendre dans les rues et de faire comprendre à ces responsables politiques qui toujours, ces occidentaux qui suivent ces dictateurs qui vont dans leur intérêt, c'est de leur faire comprendre s'ils ne se rangent pas du bon côté du peuple. Ils vont devoir quitter nos pays. Ils vont devoir quitter la Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Il ne faut pas toujours émettre des commentaires, faire des commentaires. Peuple de Côte d'Ivoire, camarades ivoiriens, peuple africain, il ne faut pas toujours attendre les commentaires, faire des commentaires. Parce que ces responsables politiques, dont M. Macron est le président de la République de la France, qui se permet de soutenir un dictateur comme M. Ouattara, qui piétine la Constitution, responsable politique ivoirien, il est temps d'organiser des manifestations, que ce soit en France, ailleurs, en Occident, c'est de faire des manifestations pour appeler à ce que ces responsables, que la diplomatie française, tous ceux qui vont soutenir des dictateurs en Côte d'Ivoire et en Afrique, vont devoir quitter nos pays respectifs. C'est très important. Parce que si le peuple français lui-même observe, regarde, ne dit rien à ce sujet, ce peuple français, d'ailleurs, et comme je l'ai dit, et je le dis à mes camarades français, que ces responsables politiques, voyous, qui utilisent l'argent du peuple français pour aller foutre de la merde dans ces pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme le Togo, comme le Mali, tous ces pays où ces responsables politiques, dont Macron, utilisent l'argent du contribuable pour aller surveiller les puits de pétrole de Total qui est privé. Peuple français, arrêtez de regarder. Arrêtez de regarder, d'observer vos responsables politiques qui font du n'importe quoi en Afrique. Parce qu'un jour, vous allez le payer. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne laisseront plus passer ce genre de choses. Donc vous le peuple, vous le petit peuple français aussi, arrêtez de regarder sans rien dire. Arrêtez de subir vos responsables politiques. Il est temps aussi de manifester votre désaccord au travers de ces responsables politiques, donc Macron aujourd'hui, qui se permet de dire qu'il est d'accord avec ce monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a déjà fait un coup d'État pour enlever M. Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est temps aussi de vous réveiller. Il est temps de comprendre que le problème des autres, c'est aussi le vôtre. Parce que ces responsables politiques utilisent le nom de la France, salissent le nom de la France pour piller l'Afrique, pour maintenir la Côte d'Ivoire dans un état lamentable pour des entreprises privées. Pour des entreprises privées. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous aussi que je m'adresse, vous responsables politiques en Côte d'Ivoire.
vous, le Conseil national de transition. Nous attendons des nouvelles de vous. Nous attendons des nouvelles de vous parce que vous faites les muets, la sourde oreille, responsables politiques. Aujourd'hui, il est anormal que cette France politique, Macron, fait une apparition à dire qu'il soutient M. Alassane Draman Ouattara et vous, responsables politiques, vous ne faites rien. Vous ne dites rien sur cette sortie de M. Macron. C'est inadmissible. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire, vous, responsables politiques, vous ne devrez plus laisser passer ce genre de choses. Vous ne devriez plus laisser passer ce genre de choses. C'est terminé. C'est ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Donc, camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui aimez l'Afrique, que vous soyez français, blanc, noir, chocolat, peu importe, c'est de descendre dans les rues et de faire comprendre que tout pays qui soutient les dictateurs vont devoir quitter nos pays respectifs avec leur armée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui ont participé. Nous avons encore des imbéciles qui viennent mettre des commentaires. Bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que ces gens qui viennent mettre des commentaires qui ne vont pas dans le sens du peuple, ces gens qui sont payés à venir déverser leur merde sur nos directs, ces gens qui sont payés pour remplir. Bref, c'était ce petit message que je souhaitais passer aujourd'hui. Camarades français, peuple africain, camarades ivoiriens, arrêtez de fermer les yeux, arrêtez de regarder ces voyous qui dirigent nos pays sans rien dire, émettre juste des commentaires. Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner, ces gens qui suivent ces dictateurs, qui suivent la médiocrité, ceux qui cherchent toujours à maintenir l'Afrique dans un état lamentable. Ceux-là, il faut les faire comprendre aujourd'hui que s'ils ne changent pas de langage, s'ils ne soutiennent pas le peuple, s'ils ne sont pas du côté du peuple, leur diplomatie vont quitter l'Afrique avec leur armée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui ont partagé. C'est important. Il faut partager les directs parce que les gens nous censurent. Facebook nous censure. Et ces gens qui sont payés à venir foutre des commentaires du n'importe quoi sur nos directs, qui signalent nos directs pour ne pas que ça atteigne son objectif. Nous ne sommes pas l'ennemi de quelqu'un. Nous souhaitons juste la Côte d'Ivoire, que l'Afrique, que chacun puisse manger décemment, chacun puisse vivre, être libre. C'est ce que tout un chacun cherche. Donc vous, peuple de France, vous, Africains, il est temps de se lever et de dire que c'est responsable politique. Bref, bonne soirée à vous. Bye.